Bonjour, bonjour à tous, c'est Henri Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu incroyable. Nous sommes après le DLC Amérique du Sud, donc le DLC est activé, le DLC fonctionne, le DLC tout va bien. On a eu quelques petits pépins pour vous, vous ne l'aurez probablement pas vu, mais Twitch l'a vu, Twitch a été patient, merci à Twitch. Bonjour d'ailleurs à Twitch, bonjour à Sacha, Carmen, Thomas, Wolf, Martin, Lee, TV, etc. Bonjour tout le monde. On a eu des soucis. Avant le DLC, on était à moins 340 000 sur le compte en banque. Les gens ont fui le zoo, on était remonté à 6 000 personnes, on est redescendu à 4 000. Pff, voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait, on a passé de belles après-midi sur Planet Zoo, en live Twitch. Sans enregistrement YouTube, et heureusement, hein, parce que en vrai, en vidéo, ça aurait été ultra chiant, hein, je vais pas vous le cacher. Mais cette fois-ci, nous sommes après le DLC, je me suis mis en facile pour éviter les problèmes d'argent. Donc je suis passé de moins 340 000 à 100 000 en 1h43, enfin 1h40, on va dire. Une heure et demie, quoi. En 1h30, on est passé de moins 300, moins 400 000 à 100 000. Merci le mode facile. Donc si jamais, de votre côté, vous jouiez à Planet Zoo et que vous aviez un mode franchise où financièrement c'était la galère, bah, vous pouvez le relancer. Pas besoin du DLC pour le coup, hein, c'est juste la mise à jour gratuite. Vous pouvez activer le mode facile. Si jamais vous ne savez pas faire parce que vous jouez plus au zoo, enfin au jeu, il suffit d'aller là dans le jeu, dans tes paramètres, hop, facile. Et du coup, t'as plein de sous. Et tu peux continuer ton zoo qui peut-être n'était pas rentable financièrement, parce que t'as pas fait ce que le jeu te demandait, comme moi. Et donc, c'est très très bien. Là, l'objectif, c'est qu'on va démarrer tout doucement la zone... Amérique du Sud. On a globalement fini la zone polaire. Je voulais la terminer, mais bon, on l'a fini en fait. Hein, donc, bon, je le terminerai peut-être de mon côté. Et la zone arctique, j'ai pas envie de m'en occuper. Pour l'instant, j'avoue que j'ai envie d'aller voir le DLC. Et la zone Afrique, on la fera après. Parce que bon, au final... Hein, c'est des espèces qu'on connaît déjà, j'ai juste été très lent. Et du coup, j'en ai pas encore. Donc l'objectif, c'est d'offrir l'accès ici à de nouvelles espèces. Donc il va falloir que je bouge tout ça. Je vais peut-être simplement les décaler. Hein, pour pouvoir faire une entrée quasi en face de celle-là. Histoire qu'on ait la zone Amérique du Sud. Donc on est parti. Bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées, bien évidemment. Sur le live. Et on est parti, on va décaler tout ça. Est-ce qu'on peut décaler d'un coup? Ah, on peut pas décaler d'un coup. Donc ça, c'est un peu galère. Donc ça va être c'est la première vidéo. On n'est pas tout de suite dans le tropical. On va préparer, quoi. Hein, comme quand tu démarres un zoo. Au début, tu démarres. Hein. Là, c'est pareil. C'est une nouvelle zone. On démarre. Clôture. On n'a plus de problème d'argent. Donc c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Augmente ça, en vrai. Comme ça. Pourquoi j'ai un panneau solaire ici? Je suis en train de me poser la question. Est-ce vraiment nécessaire? Bon, je vais faire ça. J'ai fait trop grand. Est-ce que ça change d'habitude? Non. C'est pas les DLC et autres qui vont changer le fait que je fasse des enclos trop grands. Hein? On est sur du classique. Comme ceci. Ici, on va y installer. Du coup, nos amis les Varans qui... Varan, c'est où d'ailleurs? Varan, c'est Afrique? Bah oui, Varan du Nil, donc forcément. On va installer nos Varans dans ce nouvel enclos. Alors, Varan. On en a pas trop? Non, on en a deux. Ah bah, que deux femelles en plus. Déplacer. Tac. Venez donc ici. Non, pas ça. Je vais tout déplacer simplement. Pour leur remettre leur enclos. On verra un petit peu de quoi ils ont besoin en termes de terrain pour leur faire ce qu'il faut. Mais pour l'instant... on s'en fout, c'est juste déplaçons-les, hein. Comme ça. Ah, du coup, il y a eu la mise à jour. Est-ce que vous avez vu une différence sur le fait de remplir les enclos?
Parce que c'est vrai que pour vous, YouTube, vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas à jour, je vous le dis très sincèrement. Enfin, vous êtes en retard, quoi. Vous êtes en retard. Le DLC est sorti hier pour nous. Sur live. Donc, vous avez probablement du retard, quoi. Ici. Comme ça. Je verrai après. Comme ça. Je crois que j'ai à peu près tout amené. Ah non, il y a un ballon ici. Je vais le mettre là. Je vais mettre là. C'est quoi ça? Petit abreuvoir? Ah bon? Comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Un arroseur. Je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'on a là? Une citrouille. Que je vais mettre là. Parfait. Donc ça, ce sera l'enclos Varan pour l'instant. Hop. On va attendre que les espèces bougent. Je vais mettre ça dans la zone entrée. Je vais mettre ça dans la zone entrée, ici. Et on pourra supprimer cet enclos. Voire pas complètement d'ailleurs. Je vais prendre probablement juste le coller ici. Et casser celui-là. Comme ça, il sera un peu grand. Quoi. On verra. Pourquoi tu t'embêtes à garder ces enclos-là? Bah parce qu'ils sont là, je vais pas les tuer les varans. Hein. Enfin, juste pour ça, quoi. Je les déplace, simplement. Je sais pas... Enfin, les varans, il faut bien qu'ils vivent. Non? T'es perdu, toi, là. Bah, y a plus rien. Alors, allez. Ah bah non, attends. Plutôt que tu te fasses tout le tour. Viens ici. Viens ici. Gagne du temps. Ce sera très bien. Mais dans le centre d'échange. Ah, c'est pas faux. C'est pas bête. Après, il me rapporte de l'argent. Mais c'est pas bête. Je vais faire ça avec zèbre autruche. Je vais les mettre dans le centre des champs. Les varans, bon, maintenant c'est fait quoi. Mais je vais faire ça, ouais. En même temps, ça me fait avancer dans ma recherche mécanique sur les. Voilà quoi. Hein, du coup, c'est bien. Allez, tu m'amènes mon varan. Fais voir un petit peu son confort. Comment est-ce qu'elle se sent? Alors, terrain. Il faut de l'eau déjà. Terrain. Ça me réhabitue à refaire un enclos. Je sais plus faire les enclos. C'est plutôt pas mal en vérité. Avant d'arriver sur un nouveau secteur où je vais pas maîtriser le gameplay et je vais faire des trucs dégueu. Tu calcules? Non? T'as pas envie? Parfait. Ensuite, terrain. Ici, il nous faut la terre. Comme ceci. La roche. Tant pis, hein, je pose comme ça. Ça va être dégueu, hein, mais de toute façon, il n'est pas censé rester là, lui. Hein. Hop. On est bon. Soyez ravis de votre enclos. Du coup, celui-là, c'est supprimé. On peut pas supprimer comme ça? Celui-là, c'est supprimé.
Ah bah d'ailleurs, il faut que du coup je décale ça quoi. Oh, les gens vont plus les voir. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ils vont se plaindre. Et je comprendrai. Pour une fois. Pour une fois, j'accepterai leurs critiques. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah tiens, c'est marrant ça, je savais pas. C'est pas très grave. Enfin voilà quoi. Ok. Et du coup, nos amis autruches et autres, ça part dans le centre des gens. Dans le centre d'échange, zo. Zèbre et autruche. Tac, 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 tac. Et autruche. Non, zèbre, pardon. Parfait! Bon, du coup. Du coup, il faut qu'on rase. Il n'y a pas une option de raser rapidement, là? J'ai pas. Si je fais ça, là, ça fait quoi? Très bien, ça. Ça, c'est un gain de temps, ça. Ça, c'est un gain de temps, ça. Et clôture. Ça vire. Oh, on n'est pas sorti. Hein. On n'est pas sorti. Hein. Il va falloir tout réadapter, tout refaire. On a vraiment fait un truc pareil. Oh, c'est mes premiers enclos qui disparaissent, quoi. Je suis presque triste. C'est une page qui se tourne. On a eu une belle histoire tous les deux. Avec cette entrée de zoo. Malheureusement, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer et d'organiser un peu mieux une nouvelle zone. Avec de nouveaux animaux. Peu, effectivement. Mais une dernière zone avant l'arrivée officielle de la zone Afrique, quoi, tout simplement. À moins qu'il y ait un DLC qui arrive après. Hein. D'ici là, ça me paraît peu probable. À moins que je sois extrêmement lent, mais sinon ça me paraît peu probable. Alors du coup, ça on peut virer. Hop. Très bien. Très très bien. Ensuite, il va nous falloir... l'entrée, je vais la faire où? L'entrée pourrait être intéressante. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Sélectionne tout. Bah ça marche pas pour les clôtures. Je peux pas supprimer les clôtures. Il n'y a pas l'option de suppression. Ah, pour sélectionner tout pour changer les vitres. Ah ouais. Ah ouais, bah, pardon. Ouais, bon, bah, écoutez, c'est fait. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Terrain. Enlevons l'eau. Tac. Tac. Aplanissement du terrain. C'est parti. Ok. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cabane de soigneur. Je vais venir la mettre là. Toi, t'es supprimé. Mais toi, t'as rien là-dedans. Très bien. Toi, t'es supprimé. Il n'y a plus d'eau, hein, donc pour l'instant, t'es supprimé. Oula, parle. Oula, excusez-moi. Ici, c'est une salle du personnel. De toute façon, tout ça, ça doit virer. Hein. Tout ça, ça vire. Hein. Ça, là, en tout cas, ça vire. Ça, ça va rester, je pense, parce que j'aime bien la petite place. Et on pourra toujours peaufiner au pire. Mais tout ça, ça va virer. Hein. Je vais réinstaller des salles, des trucs. Hein. Fait ça. On réadapte tout, absolument tout. Pour l'instant, on est en pause.
on remettra les employés dans une nouvelle zone, quoi. Ça va me permettre en vrai de faire une nouvelle zone. À la limite, parce que c'est la zone entrée. Plus proche des flammes roses. Plus proche des flammes roses. Supprimer les allées, mais ça a bugué. Hein. Sur le son. Bon, ça passe à peu près, quoi. Ah, ça va. Bon, ça fait 1 sur 12, quoi. Tu remettras la rediff sur YouTube comme d'abord, ouais, évident. Tout ce que je construis et autres nouveaux enclos, c'est toujours sur YouTube. Il n'y a que quand je fais un peu plus d'optimisation que bah, c'est comme si je jouais de mon côté, quoi. Donc je ne mets pas sur YouTube. Ok. Et là, je vais mettre de l'herbe longue. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a là? C'est des gens. Alors du coup, cet arbre-là, c'est un chêne. Europe, Asie, climat tempéré. C'est chiant. C'est chiant parce que c'est pas les bons. Nature. Parce que là, on part du coup dans la nouvelle zone. Hein. À moins que... Voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme là. C'est-à-dire que ça va rester dans la zone entrée. Et je vais commencer derrière la zone tropicale. Je vais commencer derrière la zone tropicale. Et je pense qu'on va passer... Où est-ce que je la mets l'entrée? Je la mets pile poil en face? Non, j'ai bien envie de la décaler. Hein. J'ai envie de la décaler, j'ai envie de la mettre plus ici, l'entrée. Tu fais quel enclos? Je sais pas encore, attends. Je réfléchis pour l'instant. Attendez, j'ai oublié de faire un truc. Ah merde. Alors bougez pas. Bougez pas à YouTube comme Twitch. Je voulais regarder un truc que j'avais fait. Je vais pas le retrouver. Je m'étais fait un plan. j'avoue. Après la bêta, je m'étais dit, bon voilà, voilà ce que ça va donner. Mais est-ce que je l'ai encore? Il est là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais attends, j'avais envisagé tellement autre chose en vérité. Oh, je suis vraiment fort. Ok, c'est intéressant. Bon, du coup, ce sera en face. Ce sera en face, ouais, c'était pas si malin. Ce sera en face. On a quoi comme espèce? On a lama, jaguar, comment ça s'appelle? Capucin. On a quoi d'autre? On a les grenouilles. Tamanoir. Ah ouais, bien vu. Un tamanoir sera à l'entrée. Le tamanoir sera à l'entrée. En face de l'enclos pangolin. Ok, on part sur ça. On part sur ça. Ça va pas être mal, ça. Je pense que faut que j'arrive à me tenir... À ce plan. Tac, ici. Parfait. Excusez-moi pour ce contretemps. Du coup, l'entrée sera là et on partira de nuit l'heure où l'on doute. Non. Un de poubelle. Pourquoi un d'ici? Ça vient. Hein. Ça vient. Ça dégage. Sur le côté. Non. Sur le côté. Ici. La route est ici. Le banc va gêner. Et le banc va être ici. Non, pas là. Ici. Non, pas là. Là, vas-y. Et toi là. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux prendre aller éventuellement et m'aligner sur la grille? Non. Non, ça va pas. Hein. T'as pas envie? Non, t'as pas envie de prendre une grille ici. Ok. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Asphalte. On est quoi? On est sur du 10. On est sur du 10 ici. Allez. Ouais, on est sur du 10 ici, ouais. On est sur du 10. Est-ce que je peux aligner sur l'angle? Me mettre à peu près comme ça.
Ah merde, bon, je suis parti de travers, mais c'est pas grave. Ah, ça a pas l'air d'être du 10. Hein. C'est du 10? Comment on fait ça? Comment on peut savoir si c'est du 10 ou pas? Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais pas fait 10. Hein. Remets ton enclos tapir combiné avec les autres. Ah ouais, 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 bien vu ça. Très bien vu ça. Tu as tapir, ouais, ouais, ouais. Très, très bien vu. J'avais oublié. Donc, effectivement. Effectivement, et du coup, je pense qu'on aura tamanoir sur le côté là et tapir de ce côté là. C'est fort probable. C'est fort probable. Alors, on fait ça. Comme ça, encore un petit bout, histoire d'arriver derrière ces arbres-là. Et là, on passe officiellement dans la zone... dans la zone tropicale. C'est du 10, hein? Ça me paraît pas du 10. Hein. Non, c'est pas du 10. J'essaie de garder... J'ai dû mettre 8. Hein. Non, j'ai mis 8. Il n'y a pas de bouchon, donc ça sert à rien que je mette 10. Et ça permet de... de rester sur du... Ok. J'aimerais bien visiter ton zoo en vrai. Bah écoute. Merci beaucoup. Alors du coup, on part. Est-ce qu'on part sur full on est blindé? On met de l'allée en or? Ou est-ce qu'on part sur du bambou? L'allée en or, bon, ça fait un peu melon. Je vais partir sur du bambou, je pense. Je vais partir sur du bambou. J'ai presque envie de dire que je vais partir comme ça. Ouais. Oui, en or, bambou, bambou. Non, non, je vais pas partir en or, vous êtes fous. Vous êtes fous, je sais que j'ai des sous, mais n'abusons pas non plus. N'abusons pas non plus. Alors, du coup, si je me réfère à mon plan fait ça. Ok. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de me tenir au plan. Chose que j'ai jamais fait, enfin je l'ai fait approximativement, mais je l'ai jamais réellement fait. Donc mon plan fait, on va dire, à peu près un truc comme ça. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça. Pour l'instant, on va faire ça. Ici, du coup, on aura l'enclos tamanoir. On aura l'enclos de tamanoir. Sachant que là, on a du coup cette cette ligne de train qui va gêner plus qu'autre chose. Hein. On va pas se le cacher non plus. Hein. On va pas se le cacher non plus. Est-ce qu'il y aurait moyen, éventuellement, de la faire passer là? Hop, et elle tourne. La faire revenir. Je pense que je vais faire ça. Il faut tout réadapter. Hein. Surélève le terrain. C'est vrai que je peux. Je pense que ouais, ouais, je vais peut-être surélever le terrain un peu. Ouais. Ça va changer. Plutôt que ce soit full plat au début aussi. C'est pas une mauvaise idée ça. Déjà, je vais modifier ça. Parce qu'il faut que je ramène le train du bon côté. Pour pas qu'il me gêne là-bas où. Alors attendez. Non, non, mais là, je suis là. Je suis là, mais là. Merci. Vas-y. On va faire ça comme ça pour l'instant. Toi. Mais non, mais je clique là-bas. Là. Merci. Alors tourne. Oh, même tourne avant, en réalité. Ah, tourne encore avant.
Ouais, wow, remarque, ça peut passer au-dessus, un peu au-dessus de l'enclos Tamaloir. Est-ce que c'est vraiment gênant? Pas forcément, quoi. Et là, tu vas redescendre. Ok, faut que tu tournes plus fort. Tourne plus fort et descends. Ah ça c'est chiant. C'est con qu'il n'y ait pas une option où bah, boum il touche le sol et bah, je me mets droit quoi. À moins qu'il y ait... Il y a ça, vous croyez qu'il y a ça? Marqueur de hauteur. Ah, comme ça tu te mets au sol et on n'en parle plus quoi. Là t'es au sol, c'est pas très grave. Mais la télécabine qui passe au-dessus. Non, non, je pense pas faire de télécabine. Ouais. Ok, comme ça pour l'instant. Toi, je te réouvre. Comme ça pour l'instant. Et ouais, du coup, j'aime bien l'idée de la route surélevée. Enfin, de la zone surélevée. Ah non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça lag, hein. Ça a pas changé. Ça a pas changé, mais bon, ça vient de mon PC, je pense. Hein. Alors, du coup, toi, plus, tac. Non, pas hauteur, forcément. Plus largeur. Tu vas te mettre comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, quelques personnes qui ont passé probablement quelques années sous terre. Ouais, ouais, ouais. Des employés un peu perdus. J'augmente comme ça, on verra quoi. Les jaguars, question bête, ça vit dans la jungle, oui. Mais est-ce que ça vit en altitude? Enfin, en altitude, je m'entends. Non, bah non, ça vit au niveau du sol. Enfin, forcément, ça vole pas. Mais n'oublie pas ta technique pour faire les pompes. Non, honnêtement, là, je pense que j'en avais pas besoin. Enfin, merci, hein, mais je pense que j'en aurais pas spécialement besoin. Parce que je veux pas faire une montagne, quoi. C'est juste, je surélève. Là, je fais pas une montagne, quoi. Bon, j'en aurais peut-être besoin parce que c'est plus simple. Mais de toute façon, ça sert à rien que je fasse ça parce que ça creuse. Au-delà de 4800 mètres, les jaguars ne survivent pas. Ok, merci. Merci pour l'info. Oh, il aime trop les montagnes. Non, c'est pas ça, c'est juste pour pas refaire un terrain plat, quoi. En vrai, là, pour l'instant, c'est comme ça, hein, mais ce sera certainement plus plat. Enfin, là, cette hauteur-là arrivera probablement jusque-là, d'ailleurs. Très, très probablement, même. Quoique, j'en sais rien, on va voir. C'est juste histoire qu'on démarre sur une base où on n'est pas au niveau du sol, quoi. On les marre plus sur... voilà, c'est plat, quoi. Enfin, ça monte, quoi. C'est pas mal aussi quand ça monte. Si je fais ça, est-ce que ça me peut me...
C'est raide, hein. C'est raide, c'est raide. Hein. Plus partir sur ça. Plus partir sur ça. En lissant un peu, on devrait pouvoir passer la route tranquillement. On va faire pareil ici du coup. Ok. Et le reste, on verra bien. Et le reste, on verra bien. Alors, on remet la route. Je lisse peut-être. Je ne m'y attendais pas. Là, normalement, c'est bon, hein, je pense. Je pense que c'est bon, là. On va faire un truc comme ça pour l'instant. Pour l'instant. C'est dégueu. Alors. L'enclos de Tamanoir. Alors, les Tamanoirs, il faut que je vois un petit peu où est-ce que ça vit. Donc, je vais aller regarder ça sur Internet. Et je vous montre. Tamanoir. Fais voir un petit peu dans quel type de paysage ça vit. Ça vit un petit peu dans des endroits... voilà. Hein, du coup, c'est intéressant. Je sais pas où ça vit. On sait pas trop où ça vit. Hein. C'est... un lion. Tu vois. Habitat. Non, il n'y a pas un truc habitat. Prédateur, apparition, répartition. Son aire de répartition s'est tendue en durée. Aucune idée. Aucune idée. Du type de territoire. J'ai l'impression qu'on est plus proche d'un territoire genre pangolin que d'une jungle, hein, pour l'instant. C'est l'impression que ça me donne. C'est l'impression que ça me donne. Donc on va partir sur un truc plus comme ça. Bonjour Crumble. Naruto, on dirait le tapis dans la piscine qu'on déroule. Terrain. En vrai, ici, j'ai presque envie de faire ça. Hein. J'ai presque envie de faire ça. Hein. Pourquoi je le ferais pas? Ah, les gens qui sont coincés sous terre. Hein. Je pense qu'on va, bon, on va pouvoir les décoincer. J'espère. Sinon, tant pis pour eux. Hein. Sinon, tant pis pour eux. Hein. Tous ces arbres-là, je vais les virer parce que ça va pas être les bons. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, l'enclos Tamanoir sera comme ça. Sachant que... Plutôt Pampa Tamanoir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'avais l'impression. Sachant que... sachant que... Après, cette route, si on met l'autre, ça donne quoi?
C'est peut-être un peu moins choquant. Non? Ouais, c'est moins choquant. On va partir sur ça. Attendez, parce que là, il y a un truc qui... Ça... Pourquoi il y a la... Ouais, ok. Ok, ok, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir comme ça par ici. Et un autre côté qui va partir par là. Pardon, excuse-moi. Alors du coup, ici... C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ce qui fait qu'on verra d'ici et de là pour l'enclos Tamalan. Et potentiellement aussi du train ici. Très bien, très bien. Un Tamalan vit dans un endroit avec de la boue. Il mange des fourmis, fait un cratère. Alors, je sais pas pour le cratère, mais pour l'instant, c'était pas le but. Enfin, c'était pas l'objectif. De toute façon, l'enclos, je le verrai officiellement quand je verrai le Tamalan. Donc, quand je verrai ses besoins et autres. Pour l'instant, ça va être ça, sa forme de l'enclos, déjà. Donc je vais clôture, je vais mettre la béton, hein, de toute façon pour l'instant, quoi. Hein. Et il va partir, sachant qu'il faut que je me garde une place aussi. Je l'avais prévu ça sur mon plan. Est-ce que j'avais prévu ça? Est-ce que j'étais un génie à ce point-là? Je l'avais prévu sur mon plan. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Je suis quand même extraordinaire. Du coup, terrain. Allez, non pas du coup, clôture. On va partir sur ça. Merci beaucoup, Baboué. Hey. Bienvenue à toi. Ta-da-ta. Non. Ah du coup ça sert à rien quoi. Ce que je viens de faire. Plutôt partir de là en vérité. Plutôt partir de là en vérité. Je vais même partir d'ici. Comme ça, W. Plus par ici, W. Comme ceci. Ça va être grand, je sais, je sais, je sais. Mais on s'en fout. Vous commencez à avoir l'habitude de la taille de mes enclos. Tout va bien. Je vais reprendre de là. Un mur invisible ici.
En vrai, il faudrait que je grimpe même. Oh, beaucoup plus petit du coup. Hop. Comme ceci. Et la porte. La porte. Je vais la mettre ici. Parfait, parfait. Je fais une sauvegarde. Je fais une sauvegarde. Je mets un peu de relief sur les bords de la zone pour séparer le... à séparer l'entrée. De comment? J'ai pas compris. Il n'a pas compris. Tamanoir. Alors, Tamanoir, est-ce qu'on a des infos sur les Tamanoirs? Ah, ça, c'est intéressant, on va apprendre des choses. Alors, j'aime bien apprendre des choses. L'été comme Tamanoir. Le Tamanoir est un mammifère de taille moyenne qui vit dans les prairies pardon, et forêts d'Amérique centrale et du Sud. Également appelé fourmilier géant, il se nourrit presque exclusivement de fourmis et de termites. Grâce à son odorat, il détecte les fourmilières qu'il creuse pour se nourrir à l'aide de sa langue collante. Sa longue langue collante. Le Tamanoir a une apparence très caractéristique, avec un long museau tubulaire, de petits yeux et oreilles, des membres trapus, une crinière drue et une queue épaisse et touffue. Sa robe est également caractéristique avec des pattes antérieures blanches, un museau gris et une bande noire sur la poitrine, la gorge et les épaules ainsi qu'une queue et une crinière brune à noir composée de poils raides. Bah merci beaucoup. Le Tamanoir est une espèce vulnérable, sa population totale a en effet diminué de 30% entre 2000 et 2010. Ah bon? Ah vache, c'est récent en plus. Son habitat est menacé par une déforestation, par la déforestation et l'expansion de l'agriculture. Il est également victime des incendies, de la chasse, des accidents de voitures et des attaques de chiens. Le Tamanoir est protégé lorsque son habitat se trouve dans une réserve naturelle. Il existe également des programmes de reproduction en captivité qui permettent de réintroduire des individus dans des zones où l'espèce s'est éteinte afin d'éviter la fragmentation de la population. Incroyable, incroyable, incroyable. Effectivement. Du coup, à l'exception des mères et de leurs petits, les Tamanoirs sont des animaux solitaires. Les Tamanoirs mâles repèrent les femelles fertiles à l'odeur de leur urine et forment des groupes avec des individus réceptifs avant de passer plusieurs jours ensemble à se nourrir. Au cours de cette période, mâles et femelles s'accouplent plusieurs fois avant de se séparer. Après 190 jours de gestation, la femelle donne naissance à un seul petit qui lui grimpe sur le dos où il reste plusieurs semaines. Pardon. À 3 mois, le petit commence à manger des fourmis et des termites est entièrement sevré à l'âge de 10 mois. Il quitte alors sa mère pour devenir indépendant et atteint la maturité sexuelle entre 2 ans et demi et 4 ans. Très bien. Un individu mâle et un individu femelle dans l'enclos. Très très bien. Je crois qu'il pourrait faire la voix des documentaires sur Arte. Du coup, tu vas pas faire l'enclos multi-espèces pour bénéficier du bonus. Je pense pas, non. Je pense pas parce que je trouve ça chiant. Chiant, pas chiant négativement, mais... chiant dans le sens où j'ai envie de faire plusieurs enclos et en faire un seul pour plusieurs, bah derrière il n'y a plus rien quoi, la zone est terminée. Donc c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Je préfère faire plus un enclos pour chaque et puis voilà quoi. We'll see, on verra. Tamanoir. Non, en vrai, il y aurait plus d'espèces, j'aurais dit oui, mais le fait qu'il y en ait si peu, parce que je fais un enclos et t'as plus rien à faire quoi. Alors du coup, je vais pas te le cacher que pour l'instant on va partir sur du frontière comme ça, hein. On va pas aller se faire arnaquer par les gens qui mettent des tarifs excessifs, hein. Bon, après j'ai peut-être acheté un peu vite, hein. Ouais bon bref. On t'amène ici. Ah par contre, j'ai plus rien dans le coin. J'ai plus rien dans le coin en termes de bâtiments d'employés, hein. Donc ce serait peut-être intéressant d'éventuellement en remettre, hein. Ce serait une idée intéressante effectivement. Transférer. Je veux dire que tu relèves le terrain sur le bord près de l'entrée. On n'y est pas. On n'y est pas. Alors, du coup. Je vais avoir besoin. Ici, on avait quoi du coup sur cette zone? Parce que c'est vrai que j'ai supprimé pas mal de trucs. Il vous faut un atelier. Ah, tu vois, j'ai supprimé mon atelier. Du coup, je recherche même plus. De toute façon, je suis en pause. Dans la zone entrée, là. J'ai plus que. J'ai 31 bâtiments encore.
Ah ouais. J'ai plus de salle du personnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les services locaux du personnel. Ici, j'ai une cabane de soigneurs, c'est ça? Ouais, toute petite. Hein. Je vais en mettre une grande. Je vais en mettre une grande simple. Parce que c'est potentiellement amené à être modifié. Donc pour l'instant, on va faire ça. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre là. Bon, les gens vont se plaindre, mais c'est pas grave. Je vais la mettre ici. Bah. La route, là. On va la mettre comme ça. Ensuite, il me faut, du coup, zone de quarantaine. Bon, je sais pas si vraiment on en a besoin, mais on n'en mettra pas. Veto. Je vais mettre veto ici. Je vais mettre... salle du personnel. Une grande. Tac. Ici. Ce sera modifié, encore une fois. Merci beaucoup, Erasus. Bienvenue à toi. Centre de recherche, j'en ai. Et il me faut, un atelier. Comme ceci. Allez. Employé. Je comprends. C'était pas ce que je voulais, mais... Oh, c'est tellement lent à poser des routes. Ah bah non, mais c'est pas là que j'ai visé. Oh là là là, qu'est-ce que c'est lent. Ok. Je vais remettre ça dans la zone. Entrée. Tac, tac, tac et tac. Et on va attendre patiemment que nos tamanoirs arrivent. En espérant qu'ils arrivent assez vite. Masque la cabane de soigneur pour diminuer la zone d'impact négatif. Je viens de le dire. Ça va bouger donc je vais pas m'embêter avec ça. Pour l'instant, c'est mis là, histoire qu'on ait des bâtiments ici. Quoi. Mais ce sera modifié. Est-ce que je peux voir mes animaux? C'est long, hein? Enclos pas dans zone. Est-ce qu'on a besoin officiellement pour amener nos animaux? C'est tellement lent, va falloir que je relance le jeu ou quoi là? Je suis en pause hein, là, ouais. Eh, je peux jouer ou... Bon, on va relancer le jeu, j'ai l'impression. Oh. Bref, on va relancer le jeu. Je relance! Ou sinon, pas de personnel. Non mais ça va être un... un gars qui va venir ramener et puis voilà, après ils vont pas s'en occuper. Si. C'est pas grave s'ils s'en occupent pas tout de suite. Sauvegarde. Bah pour l'instant, je suis plus bugué qu'autre chose. Hein, donc, là, je fais échappe depuis 10 minutes. Merci beaucoup SML Gaming, bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe le jeu là? Sauvegarde. Pas sûr que ça va pas plus au jeu ce que je viens de faire. Je vais être au bout du rouleau. Bon, je relance. On va relancer. La zone. Ah, c'est vrai, c'est peut-être un souci ça du coup. Ça va peut-être. Va falloir que je réfléchisse à une meilleure zone d'employé. Parce que celle que j'avais préparée sur le plan, c'était une zone générale. Pour toute la zone tropicale. Bon, quoique, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Ou alors, je mets un bâtiment soigneur par enclos. Ça fait une zone par enclos. Ça fait chiant. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup un peu quand même.
Ah, c'est peut-être beaucoup. Je réfléchis. Alors attendez, je vais complètement relancer le jeu. Je vous mets en attente ici. Vous voyez les dessins que vous avez fait. Incroyable, magnifique, merveilleux. Quittage ici. Comme ça, je vais m'assurer le fait que je reparte sur de bonnes bases, on va dire. Impression que le jeu a du mal. Alors, jouer. Tout va bien ici. Tout va bien ici. Documentaire animalier sur le tamanoir noir avec comme reporté. Roy. Non, bah écoute, moi si on me contacte pour faire une voix off d'un docu animalier, je te dis, je dis oui direct. Je dis oui direct. Wolf, t'as pas souvent le son, j'ai l'impression. Alors du coup, ici, on est reparti. Ça s'affiche ou ça s'affiche pas là ? Parfait. Franchise. On est en facile, hein. Vous avez la preuve. 102 000 sur le compte en banque, c'est beau. Comment on peut t'envoyer des fanarts et autres ? Il y a le Discord. Sur le Discord, il y a un salon dessin, tu peux mettre dessus. Tout ce que tu fais. Faudra que je refasse un truc pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Merci à Glemsart et Psymoda qui ont réagi très vite. Ah, c'est vrai qu'on est parti pour 10 minutes de chargement. Mais du coup, ouais, c'est ce que je disais. Je vais faire un enclos par espèce pour éviter d'avoir à faire un seul enclos. Ça va me permettre de décorer la zone. J'attendais une zone tropicale depuis tellement de temps que... Enfin, des espèces tropicales, quoi. Que me retrouver à faire un seul enclos, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Autant dans la savane africaine, moi, c'est compréhensible, tu vois, les gnous, les zèbres, les girafes, les éléphants, bon. Mais là, bon. Je t'avoue, si tu me dis lama avec ta manoire, ouais, bon, peut-être, mais... Personnellement, je verrais un enclos de chaque, quoi. Il doit être trop beau, le léopard. C'est un jaguar, mais ouais, il est plutôt stylé, ouais. Il est plutôt stylé. Sous la montagne, tu peux faire une zone secrète de jungle Sud-Amérique, avec une cité perdue, etc. Sous la montagne? Quelle montagne? Parce que si tu parles de montagne arctique, non. Beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Et si tu parles de la petite bosse que je suis en train de faire là, bah c'est... C'est pas une montagne, donc... voilà. Mais on n'est pas à l'abri que je fasse un truc dans le genre, hein. Ça, on verra en fonction de... On verra en fonction de ce que je fais, quoi. De comment je décore les enclos. Alors du coup, ce que je voulais voir, c'est est-ce que mes espèces sont en train d'arriver. Parce que si elles arrivent, c'est bon. Comment on sait où elles sont? Alors, il faut aller voir... faut aller voir les gens. Personnel. Agent d'entretien. Ramasse des détritus. Transporte ta manoir. Viens mon grand! Amène-moi mon tamanoir ici s'il te plaît. Ah pardon, tu l'avais pas récupéré. Ah bah alors, c'était pas volontaire. Non mais j'avais pas réagi. Du coup j'ai un centre d'échange quelque part là. J'ai pas de centre d'échange ici. Ah mais j'aurais mieux fait de te laisser où t'étais, parce que là, du coup, c'est un peu galère, quoi. J'ai pas de centre d'échange, là. Bon, je te remets où t'étais. T'étais à peu près là. Je vais te mettre là. Où est-ce que t'es parti? Bon, après, ce serait bien que tu me dises... Où tu vas le chercher, quoi. Parce que moi, je veux bien te TP, mais... Vas-y! Stand d'échange là-bas, tu vois. Ah, nettoie les toilettes. Mais il est sérieux, lui! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, attendez. Échange d'animaux. Où sont-ils? C'est chiant qu'on puisse pas savoir où ils sont exactement. Ça permettrait de cliquer sur le bon gars.
La zone staff sous l'enclos. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Te promène. Nettoie les toilettes. Nettoie les toilettes. Se promène. Transporte ta malloie. Tu l'as la caisse ? T'es parti la chercher. J'en ai besoin que d'un seul. Hein. Pas besoin du couple. Pas besoin du couple. T'en es dans quelle zone, toi? Vas-y. Que je te repose après. Allez. Que je puisse m'occuper de tout ce qui se passe, là. Surtout qu'il a commencé à faire une luminosité désagréable, on va dire. Je te ramène. Je te ramène... Je te mets là. Qu'est-ce qu'il a ici? Animal gravement déshydraté. Bah ouais, mais bon, ça malheureusement... Hein, ça c'est le bug du coup. Déshydratation. Ah, carrément quoi. Carrément quoi. Ça commence à mourir de déshydratation. T'as calculé ton environnement, toi? T'as calculé ton environnement. Alors au niveau du terrain, c'est correct. Il te faut un peu plus d'herbe courte. L'herbe longue, t'en as pas spécialement besoin. Le reste, c'est correct. Au niveau environnement... Ah, ça peut être dans une jungle ou rien du tout, donc c'est pas mal non plus. Supprimer cette espèce de plante. Ah, c'est un peu chiant ça. Ça, ça va rester, je te le dis tout de suite. Lui, à la limite, j'en ai pas besoin. Ah bah non, pardon. Lui, à la limite, j'en ai pas besoin. Tac. Mais celui-là va rester. Ici, tout ça, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Patrimoine génétique. Très bien. Alors, du coup. Oula, pardon, je me suis trompé de touche. Du coup. Que je réfléchisse. C'est plus des prairies, quoi, c'est ça que vous me disiez. Est-ce que tu grimpes là, déjà? La question est intéressante. Parce que tu vas avoir des points de fuite forcément, mais est-ce que tu grimpes? Ah ouais, tu grimpes. Hein. Ah, t'es un chacal quand même. Ah, t'es agile. Ça m'arrange pas beaucoup. Ça m'arrange pas beaucoup. Non, normalement, il y a plus de risque. Normalement. Pourquoi je peux pas creuser? C'est la barrière au-dessus. Rémi, ouais, c'est bien parti. Enfin, c'est bien remonté, les finances, très clairement. Très clairement. Attends, tu grimpes plus, là, ouais, je vais dire. Ok, donc t'as le point de fuite là, rien de surprenant, et le point de fuite là-bas, rien de surprenant. C'est très bien. Bon, il te faut une prairie, du coup. Une prairie, comment on l'envisage, comment on réfléchit, comment on imagine. Est-ce qu'on fait déjà une rivière? Est-ce qu'on fait une rivière? Je regardais mon plan, pardon. J'ai pas dessiné les rivières sur mon plan. Mais écoute, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Hein. Excusez-moi, je prends le temps de réfléchir, d'envisager. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, donc j'ai l'impression que ça va partir plus proche d'un enclos de pangolin que j'ai fait et j'ai pas envie de faire ça.
J'avoue que le tamanoir, c'est pas une espèce que. Voilà, je la côtoie pas, hein, je vais pas vous le cacher. Donc effectivement. Qu'est-ce que je veux, quoi? J'ai des idées qui viennent, mais un cratère style dedans, il y a des fourmis. Tu m'as déjà donné ce conseil. Je vais faire un truc. J'ai envie de faire l'Amazonie. Hein. Enfin, l'Amazon, pardon. J'ai envie de faire l'Amazon. Tiens, on est obligé. Non ? Merci beaucoup MC Luna pour l'abonnement offert à Louvecréa. Merci beaucoup pour le soutien. Un grand merci MC Luna. J'ai presque envie ici de mettre de l'eau. Dans ce coin-là. Ça me donne envie. Ça me donne envie et je pense que je vais partir sur ça. C'est profond. Pardon, j'avais pas fait attention à la hauteur. Je vais faire ça comme ça. Comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Alors. Toi, tu vas partir plus comme ça. Ici. On va faire un truc pour l'instant comme ça. Et après, on va travailler l'ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que là, ça va être simplement de l'eau en vrai. Je vais pas m'embêter. Ça va en plus limiter l'espace possible pour le tamanoir. Et du coup, je pense qu'on sera pas si mal. Ça nage un tamanoir? Je sais pas si ça nage un tamanoir. Pour l'instant ce sera un truc comme ça. Pour l'instant ce sera un truc comme ça. Faire ça. Oh le freeze. Oh le freeze, la légère crainte. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Comme les tapirs, il leur faut un aquarium que tu as fait. Le même aquarium. Sois pas jaloux, Clemser. Le jeu m'a donné raison. Ils vivent dans des endroits avec beaucoup d'eau, ils aiment nager. J'ai raison. Ici, on met ça. Je regarderai après les besoins. Les besoins du tamanoir. S'ils ont pas accès à l'eau, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, c'est juste, voilà, c'est décoratif et...
Et ça évite qu'ils aillent là-bas dans le coin, là où on les verra quasiment pas, quoi. Faire ça. Pour enlever ça. Fais voir un petit peu. Terrain. Ah, du coup, terrain, c'est bon. T'as assez d'herbe courte. T'as pas besoin de beaucoup de roches. Ah, ça, ça m'arrange pas beaucoup. Ta mère aime bien nager, ce sont des bons nageurs. Merci pour l'info. Ça m'arrange pas beaucoup que t'aies pas besoin de beaucoup de roches. Je vais pas te le cacher. Parce que j'en aurais bien mis un peu partout quand même. Sur les bords là. On est déjà à 3%. Ça me semble tendu, compliqué, probablement impossible du coup. C'est vrai qu'on n'a pas la meilleure luminosité pour voir si si ça rend bien quoi. Non, on va supposer que ça fait bien quoi. Hein? Après j'aurais bien fait ça mais je sais pas si je vais avoir la possibilité quoi. Peut-être que je vais avoir un surplus de roches. Oh ça passe! Extraordinaire! Incroyable. C'est passé. Bon, on a déjà un truc à peu près comme ça. On verra bien derrière. Il leur faut un abri solide. Alors l'abri solide, ça c'est con parce que j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Est-ce que je mettrais... Ah les abris, c'est vrai que je me suis quand même toujours arrangé pour pas mettre des abris de construction. Hein. Je me suis toujours arrangé, quoi. Mais je vais pas leur faire une grotte, quoi. Ils dorment où, en vrai? C'est toujours pas... Moi, c'est la question qui me perturbe. En vrai, ils dorment où? Ils dorment sous un arbre, quoi. Fais voir un petit peu. Est-ce que j'ai des choses ici, là? J'ai quelques petites choses. J'ai un mur. Chose, pardon. Et tu sais que ça pourrait être pas mal, en vrai, de mettre ce full mur, là, là devant, là. Je viens d'avoir l'idée. Plutôt que de mettre de la roche. Pour le faire sur plusieurs étages, tac tac. Ça ferait un peu Machu Picchu, quoi. Ça ferait un peu Machu Picchu, quoi. Oh, l'idée me plaît. Hein. L'idée me plaît, en vrai. Moi, je pense pas, de toute façon, que j'ai d'abri. En tout cas, débloqué. Ah si, j'en ai un. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est grand. Ah, c'est trop grand. Dommage. Je pense qu'on va partir sur des ruines. Hein. Je pense qu'on va partir sur des ruines. Ça me plaît bien l'idée. Hein. L'idée m'intéresse très fortement, en vérité. Hein. Je vais peut-être pas prendre celle-là, je vais peut-être prendre celle-là plus. Tu sais qu'en mettant un truc à peu près comme ça. Il viendrait se mettre ici. Je recouvre là. Avec éventuellement bah, du terrain. Ça ferait une grotte, certes, mais c'est juste le temple qui a été recouvert. Alors, je vais avoir quelques soucis avec la barrière. Quand même. Ah, mais oui, bon, après, c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi. Je me suis peut-être un peu emballé. Je me suis peut-être un peu emballé. Il faut quand même qu'ils dorment. Hein. Hein.
Ou alors je vire ce bout de route là. Comme ça je vais pouvoir surélever un tout petit peu là. Où je suis parti avec ma souris. Là. Mais non, elle va pas là au bout, prendre là. Non. Ça pourrait limite faire un point de vue en plus. Ça pourrait limite faire un point de vue en plus. C'est pas si dégueu en vérité. Alors là, ça va pas le faire. Là. La clôture gêne. On va bouger la clôture. On va la refaire après, c'est pas grave. Ça va me permettre de boucher correctement. Terrain. Un temple enseveli, ouais, c'est ça. On part sur cette idée, quoi. Et ce sera probablement, globalement, toujours cette idée-là. Parce qu'il y a eu les peuples amérindiens qui... à qui ont vécu, hein. Ils ont construit dans la jungle. Et bon, les animaux ont profité du fait qu'ils aient disparu. En tout cas, qu'ils vivent plus au même endroit. Pour s'approprier les lieux, quoi. Ici, il y a un petit souci. Mais ça, c'est du détail à l'extérieur de l'enclos. Et j'ai presque envie, mais... j'ai presque envie. Ah bon, il y en avait deux. C'est intéressant, ça. J'ai presque envie de faire ça. Pour derrière... Du coup, faire ça. Comme ça. Et au-dessus, je remets le truc. Avec l'arbre, du coup. On pourrait presque modifier éventuellement. Ah, c'est un gros bloc ça. Ah oui, je pensais que c'était du caillou. Ah, du coup, en réalité, je supprimerais presque ça. Je ne parle plus, mais... Ah non, c'est un peu dommage.
je vais du coup reprendre ça. Oh, je parle plus. C'est la concentration. Je suis en train de faire une construction. Une mini. Une mini, mais elle est là. Et les gens viendront regarder d'en haut, de là derrière. On change la place de l'arbre parce que c'est abusé là où il est. Enfin, pourquoi ce serait abusé? Moi ouais, ça me va ça. Moi ça me va. Seul truc du coup, alors il faut que je ferme la clôture déjà. Et le seul truc du coup, c'est que je vais me retrouver dans une situation où il faut que je change la couleur du sol. Et potentiellement du coup, petit problème. Alors, je vais faire ça, on s'en fout. Ça. Petit problème éventuellement de texture de terrain. Tamaloir. Terrain. 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 C'est pas dégueu en vrai, j'aime bien. C'est pas dégueu en vrai, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Que c'est beau, merci beaucoup Alpha. Il flotte. Ah non, il flotte pas. Et la racine, tac, elle est plantée dans le sol là. As-tu déjà vu des arbres? Sais-tu où ils peuvent pousser? Des fois, c'est incroyable. Si je mets un play, est-ce que t'as voilà, 100% pour l'abri? C'est excellent, c'est excellent. De l'autre côté. De quoi de l'autre côté? Ah, il y a ça, ouais. Il y a ça, effectivement. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais, mais... effectivement, il y a ça qui gêne. Je ne l'avais pas vu. Si effectivement tu parlais de ça, c'est très bien vu. J'avais pas fait attention. Du coup. Au niveau du terrain, on est bon. Au niveau du terrain, on est bon. Tu veux pas de neige? Ah bon? Ah, ça, je suis assez surpris. Je suis assez surpris. Environnement. Continent Amérique centrale et du Sud. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nature. Amérique centrale. Continent. Amérique centrale et du Sud. Biome. Tropical et prairie. Et tu... Tiens, alors, question. Est-ce que ils nous ont ajouté... en prairie? Non, il n'y a rien en prairie. Il n'y a rien en prairie. Bon, je vais pas mettre que le jeu de base, enfin le DLC. On va décorer avec l'ensemble. Et Oh, c'est beau ça. Oh, c'est violet. C'est pas mal du tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme arbre? Noyer d'Amazonie. On a beaucoup de racines, de figuiers et autres. Intéressant. Ah, on a du tamarinier, hein. On peut toujours mettre du tamarinier. Hein. Et du Wimba. Bon, alors, le Wimba. Le Wimba, il est sympa. Hein. Pardon, excusez-moi. Le Wimba est sympa. C'est intéressant. Je vais commencer par décorer le bas. Avec un peu de ça.
Ah bah attends, de toute façon, là, ils y vont, là, du coup. Est-ce qu'on sait s'il y va? Ah ouais, il nage. Il nage, c'est officiel. Donc c'est intéressant, en plus, il peut y aller. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Non, c'est pas ça du tout. Nature. Donc j'ai pas mis un surplus d'eau. Puisque Pépère, il peut aller, aller nager tranquillement. Quoi. Alors, sachant que c'est prairie jungle, et qu'on va, on va pas faire jungle. Voilà. On va pas faire jungle. C'est intéressant ça, mais alors, comment l'utiliser correctement? Parce qu'il a une forme surprenante, quoi. Je suis pas obligé de le mettre après. Waouh! Oh, c'est beau ça! Bellombra! Bellombra, y'a pas une marque d'hôtel comme ça? Bellombra? Ah, bah c'est très très gros ça! Hein. Ah, mais du coup, on en a dans, la, dans l'œil là. Ah, c'est très très gros ça! Hein. Bon, ça fait peut-être un peu dense. C'est peut-être pas pour l'instant ce que je recherche. C'est peut-être pas ce que je recherche pour le moment. Figuier étrangleur. Waouh. Oh, c'est beau. Je vais en mettre un là. Oh, j'ai presque envie de le mettre là, ouais. Pour voir ses racines. Non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime... Ah non. J'aime pas, j'aime pas. Il y a les capoquiers. Ouais, les capoquiers, c'est toujours sympa, mais est-ce que c'est ce qu'on veut, là? C'est une question, hein. On pourrait en mettre... On pourrait en caler un, quoi. On pourrait en caler un. Ici. Pour qu'on commence à se dire... Oula, on arrive dans la jungle. Même si ça ne sera pas encore à fond. Je mettrais des nénuphars aussi, hein, dans l'eau, clairement. Ah, tu sais que c'est très grand, hein. Je suis assez surpris, ouais. Les arbres sont immenses, quoi. Les arbres sont immenses, quoi. Ah bah voilà, un arbre à taille humaine, j'ai envie de dire. Ah, je vais mettre du tamarinier, hein. Tamarinier, c'est quand même la valeur sûre, quoi. C'est un club de vacances. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai. Ok. Là, je vais accidenter le terrain parce que c'est trop plat pour moi. C'est trop plat pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Wimba, du coup, qui sont énormes. Énormes. Vraiment incroyables. Est-ce qu'on en veut un, là? Pourquoi pas, en vérité, quand même. J'en mets un, là. Je le verrai plus là comme ça. Oh, pardon. Caméra qui descend. Si je me mets ici avec un point de vue là, qu'est-ce qu'on a? C'est correct. C'est correct. C'est correct, c'est correct. Après, tu t'attendais à des arbustes? Non, j'aurais pas dit arbustes, mais. Mais disons avec des troncs plus garnis, on va dire. Des troncs plus garnis, ouais. Ah, c'est vrai que c'est des, c'est des très grands troncs, bah c'est des troncs de jungle, quoi. Ils vont chercher la lumière tout en haut, donc ils sont très 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 gros, ouais. Enfin très très longs. Avec peu d'arbres, enfin peu de plantes, enfin peu de fleurs, feuilles, je vais y arriver. Bas, quoi. Ce. Au niveau des arbres, j'ai l'impression que je vais pas en mettre beaucoup plus. Hein. À moins que je mette. À moins que je mette un figuier ici. Faut rien encore.
Ouais, après, c'est sympa quand même. Ouais, peut-être plus un petit comme ça. Ouais. Bon, je vais mettre quelques pierres. Je vais mettre quelques pierres. Tac. Qu'est-ce qu'on a en pierre? Ah, du coup, c'est vrai qu'on a les deux types de roches. Full mousse ou pas full mousse. Et moi, je vais pas mettre full mousse. Ou en tout cas, pas partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et où on peut le mettre, surtout. Déjà ici, il faut absolument mettre là pour bloquer le passage. Évitons qu'il fuit. Évitons qu'il fuit. Ces chacals. Parce qu'on les connaît. Et ils n'hésiteront pas. Ouais. Là, normalement, t'as plus de point de fuite. Si je fais ça. T'avais un point de fuite ici, mais ouais, il est caché. Et de ce côté-là, t'en avais plus. T'en as pas, là, d'ailleurs. À l'intérieur, là. Ah si, t'en as. J'étais en train de me le dire. J'étais en train de me le dire, j'ai fait l'enclos trop petit. Modifier la clôture. Peut-être pas autant. Comme ça. Ok, ok. Nature, rocher. Sympa les cailloux moussus. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe RIP. J'abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Où est-ce que je peux en mettre un peu? Après, on a quoi de base? Ouais, c'est cela. Ouais, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, quoique, tu sais que le style mousse au-dessus est quand même vachement bien. Hein. Ça permet de garder ce côté un peu... bah, vert, quoi. Faire ça. Ensuite, je vais en mettre un là. Comme ça. Pardon, c'est vrai que je parle pas du tout. Je suis en réflexion, c'est le problème. Le fait que j'ai plus de problème d'argent et le fait que, bon, le jeu a l'air de fonctionner. Peut-être que je vais reprendre le temps d'y réfléchir de mon côté avant. Pour savoir quel type d'enclos je fais. Histoire comment, de savoir comment je vais faire, quoi. Et pas à réfléchir en live. Et en vidéo, du coup. Mais c'est vrai que... j'avais un peu perdu le goût de réfléchir d'avance. Ouais, comme ça. Comme ça, et non, je sais pas. Ici, c'est un peu vide, mais... on va laisser comme ça, je pense. Continent. Amérique du Sud. Tac. Qu'est-ce qu'on a en plante? Ah, déjà, je vais mettre ça, parce que c'est beau. J'aime bien. Après, on n'est pas dans une luminosité non plus. Parfaite. Hein.
On n'est pas dans une luminosité parfaite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Pourquoi tu veux grimper là? Oh non. Comme ça. Hein? Ah Merde. Je me trompe de touche. C'est pas beau. C'est presque trop violet là d'ailleurs. Des orties. Ouais, il n'y en a pas des orties. Je me suis amusé à décorer les troncs avec les nouvelles fleurs aussi. Quand ils sont trop gros, surtout sur les figuets et les trangleurs. Et ça rend super bien. Ok, merci pour l'info. Merci pour l'info. Pourquoi ça vole là? C'est pas normal ça. Oh, c'est gros ça. C'est presque intéressant. Alors après, peut-être qu'on va me dire, ouais, non, mais ça c'est censé aller au bord de l'eau. Je sais rien, je peux pas vous dire. Aucune connaissance sur cette plante. Je peux vous en mettre un peu au bord de l'eau. Au cas où. Au cas où. Là, je vais mettre un peu de violet aussi. C'est où ça? Pince de voix. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Il y a les nénuphars. Ah, je pourrais mettre un peu de mangrove. Hein. J'avoue que la mangrove me tente bien quand même. Je sais pas si c'est la meilleure utilisation d'un mangrove de l'histoire de l'humanité, mais en tout cas, j'ai fait quelque chose, quoi. En tout cas, j'ai fait quelque chose. Pourquoi je peux plus dézoomer, là? Bah, je peux plus dézoomer! Lâche, je suis galéré. Ça, c'est vraiment des grands arbres. C'est perturbant, hein. En vrai, comment tu l'utilises correctement, ça? Aucune idée. Aucune idée.
Vraiment, ça me dépasse un peu quand même. Alors attendez. Ici, là, on va mettre du nénuphar. On va mettre du nénuphar en quantité. C'était presque sympa comme ça. Un truc qui me perturbe un peu là. Pourquoi il y a ça là? Ça là. Ah ouais, non, ok. Au final, je dis ça me perturbe, mais c'est moi qui l'ai dit juste avant, c'était pas mal. Bref. Qu'est-ce qu'on a ici là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah écoute, pourquoi pas. Les orties de tropiques. Les ordis des tropiques. Les orties, pardon. Les ordis. Les orties des tropiques. Elles sont un petit peu plus petites. Hein, elles sont un peu plus... inquiètes, probablement. Je sais pas trop ce que c'est, ça. C'est quoi, ça? Broméliac... Oh. Et j'ai presque envie... de densifier un peu comme ça ici. C'est pas dégueu. C'est pas si dégueu. Je pourrais peut-être même en mettre encore plus, quoi. Je pourrais peut-être même le mettre encore plus. Pour densifier encore plus. Si je m'effiguais comme ça. Là. Où suis-je? Ouais, écoute, honnêtement, le figuier au sol, c'est pas si mal. Hein. Le figuier au sol n'est pas si mal. Hein. Je pense que je vais encore en mettre un. Je pense que je vais en mettre par ici, là. Ça sort peut-être, oui. Mais en vrai... Je pense que ça choque pas. Ça permet d'amener un peu de densité. Je suis pas sûr en fait. Ouais, c'est un peu de trop quoi. Un peu de trop quoi. On s'est laissé emballer. On s'est dit c'est pas mal, t'as pas une mauvaise idée. Et au final c'est dégueu. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, à peu près? Alors, il fait des enclos, il prend son temps pour tout et il a raison, mais pour la décoration avec la végétation, bof. Ah bah, écoute, Wolf, personne t'empêche de partir et revenir quand c'est terminé. Hein. Et pourtant, crois-moi que je me les pêche. Crois-moi que je me les pêche, parce que justement, je sais qu'il va y avoir ce genre de réflexion. Enfin, de remarques, de... Enfin, ouais, réflexion, c'est peut-être négatif. De remarques légitimes, j'ai envie de dire.
Et que c'est bien pour ça que généralement je prends pas le temps de bien poser plein de trucs parce que justement il y a des gens que ça n'intéresse pas quoi. Peut-être même beaucoup. Hein, on va pas se le cacher. Est-ce qu'on mettrait pas un poirier? Un petit poirier là. Un poirier, un petit peu de jaune dans cet enclos. Poirier, c'est quoi? Tropical Amérique. Ouais, écoute, on pourra en mettre ailleurs. Et en vrai, je suis pas si mécontent. La luminosité n'est pas parfaite, mais je suis pas si mécontent, quoi. J'ai rien dit de mal. Ouais, mais moi non plus, Wolf. Moi non plus. Comme ça. Merde, je suis trompé. Merde. J'ai perdu. Bah, c'est où la touche pour descendre la caméra? Ah oui. En vrai, je suis pas si mécontent. Il y a peut-être là-bas dans le fond, à la limite. Je mettrai encore un. Un bel ombre. Ah non, trop grand. C'était quoi? C'était les figuets. Figuets, bah, ça va être mon buisson, oui, le figuier. Ah mince, ça sort. Est-ce que là, c'est correct? C'est pas si mal, en vrai, j'aime bien, moi, j'aime bien. Je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait. Disons que là, c'est vide, mais ça va me permettre de mettre un petit peu de nourriture et autres. Et je vais accidenter aussi le terrain. De voir un enclos aussi bien décoré depuis longtemps, mais je ne suis pas fan par contre de l'alignement des pinces de homard sur le côté. Non mais t'es malade ou quoi? Enfin, j'ai décoré l'enclos de tapir. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bah écoutez, je vais mettre à manger. Pour se faire refouler. Bon, après, si je fais tout ce que tout le monde me dit, on va pas s'en sortir. Hein. Je m'adapte à mes goûts quand même, un peu. Si tant est que j'en ai. C'est pas gagné. Alors, Tamalois. Grande écuelle. Fait des fourmilières. Ah ouais, j'avais dit de le faire en plus. Enfin, je m'étais dit de le faire. Ah, attends, c'est pas une mauvaise idée. Je vais les mettre là. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. Peut-être pas en mettre autant. À la limite, celle du fond était pas mal. Celle de devant, pas trop. Attendez, parce qu'ici je me disais c'est vide. Je peux en mettre une là. Ah, c'est pas normal. Il y a des fourmilières en optimisation. C'est pas bête, hein. C'est peut-être mieux en vrai. C'est probablement mieux. Ouais.
Parce que j'étais pas convaincu de ce que j'étais en train de faire là. J'étais pas convaincu. Vexation sur ma personne, ok, je dirais plus rien. Tu as bien reçu au niveau de l'argent ton zoo, tu as commencé, tu étais en faillite, maintenant tu es bien de plus en plus en positif. Ouais, ouais, c'est le mode facile, ouais, clairement. Le mode facile m'a sauvé. Le mode facile m'a sauvé. Habitat. Du coup. Là. Alors, les optimisations en fourmilière, ouais, j'ai pas encore. Mais on en aura. Il faut juste que je fasse des recherches d'abord, quoi. Je vais mettre une boîte à fourrage. La boîte à fourrage, je vais la mettre. Je vais la mettre là. C'est un planil, là? Si je fais ça, c'est un planil. Ok. Je vais la mettre ici. C'est pas si mal ça. C'est pas si mal, ça permet de, d'assurer une certaine nourriture. Une certaine quantité de nourriture. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre de l'optimisation en jouet végétal. Un mur végétal. Que je vais mettre ici. Il passe à travers le mur végétal? Sûrement. Sûrement. Une boule de neige pour le tamanoir? Ah bon? Pas pourquoi faire. Bloc aggratoire. Je vais le mettre ici. Tu veux faire un tour du zoo avant la fin du live, s'il te plaît? Non, non, j'ai pas envie. J'en ai trop fait, on a rien fait de spécial. Si j'en fais à chaque live. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'ai pas envie d'en refaire pour l'instant. J'en referai, hein, j'en referai. Pour l'instant, j'avoue que j'ai envie de jouer, quoi. D'avancer. Est-ce que tu vas mettre des girafes de l'Antarctique dans le zoo? Non, non, je pense pas. Je ne pense pas. Mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas si dégueu. Les optimisations et autres, ça doit être bon. C'est où, déjà? Optimisation. Ah, c'est pas... Play. Voilà. Y a pas le bonus interespèce, mais c'est pas grave. Et bah du coup on est bien. Du coup on est bien. J'ai presque envie d'augmenter la hauteur de ça, mais est-ce que ça va passer? Par rapport au... au chemin de fer. Ah, j'allais dire, tchou, ça passe à travers. Je vais augmenter juste un peu la hauteur, là. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on était un peu écrasé pour regarder, là. C'est pas mal. C'est pas mal, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Je vais mettre service des sous. Hein, même si, bon, on a plus le problème. Des sous, quand même. Parce qu'on aime bien, des sous. Je vais mettre là. Et là. Je vais mettre un panneau. De l'autre côté, je le ferai plus tard. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas, donc... alignement sur position, alignement sur la surface. Ah, bah, ça aurait été bien que tu prennes un angle... un moins de travers, quoi. Comme ça. Comme ça. De toute façon, j'ai pas de courant ici, à mon avis. Hein. Donc... De toute façon, j'ai pas de courant, quoi. Bon, j'ai envie de dire que c'est correct. Je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. Je vais certainement peaufiner un petit peu avant la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire les trucs un peu plus sérieusement. Pas faire un enclos, puis passer sur le prochain, puis passer sur le prochain. Je vais essayer de m'occuper un petit peu des alentours, pardon, de l'enclos. Histoire de faire quelque chose de plus réfléchi, direct. Sans avoir à me dire, attends, alors, il faut encore faire ça. Donc je vais essayer de focus ça, mais je le ferai pas dans la vidéo YouTube pour pas vous embêter à poser chaque petit truc, comme je viens de le faire pour l'enclos. Mais en vrai je pense qu'il est bien. Et vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo du coup. Merci à Twitch d'avoir été présent. Merci à Wolf Fulliman, Glem Sart, Valoris, Jaguar Tag. Merci beaucoup Fulliman, bienvenue à toi du coup. Merci Nipsy, Crumble, etc. Bisous tout le monde, bonne journée.
Et à la prochaine, Edge.